Salut les touristes, donc voilà nouvelle vidéo sur une Renault Mégane. L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences. Droite, gauche, avant droit, avant gauche. Donc on est sur une Renault Mégane. Voilà, donc là je les ai déjà polis. Donc celui-ci au dentifrice et celui-là avec le kit exprès. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Donc tout de suite, je vous présente le kit. Donc pour ça, j'ai acheté un kit qui se vend dans les centres auto. Donc c'est fourni avec un support de disque, des disques à poncer en 800, en 2000. Donc j'en ai 4 en 800, 3 en 2000 et un de finition. Donc voilà, et on a ce produit aussi. Alors, pour pas faire comme dans la précédente vidéo où on va me dire t'es payé par les marques, t'as les produits gratuits. Non, j'ai pas les produits gratuits, je les ai payés. Donc je vais cacher les marques maintenant. Et pour ça, il nous faut aussi un produit à vitre pour mouiller de temps en temps, pour enlever la matière qui va être poncée. Donc avant tout, je vais cacher, c'est fourni aussi avec, je vais cacher le tour du phare. Donc elle a été refusée au contrôle technique justement pour le feu qui est devenu opaque. Donc c'est la maladie sur pas mal de voitures des générations 2000. On en voit beaucoup. Et maintenant, une fois qu'au contrôle technique, ils n'arrivent plus à avoir le faisceau dans leur machine, c'est refusé. Et puis, il faut dire aussi qu'on n'y voit plus grand-chose en roulant. Donc voilà. Donc on va mouiller le feu. Et c'est parti. Hop, on va mettre en première vitesse. Et puis on verra ce que ça donne. Donc en fait, l'eau, ça permet de retirer toute la matière qui a été poncée. On va renouveler encore une fois. Donc là, le but, c'est de le ternir, de le poncer en fait. Thank you.
Bon, on va passer du coup maintenant au 2000. Donc pour 30 euros, vous avez vraiment tout le kit complet, sauf la perceuse bien sûr. Du coup maintenant on va essayer avec, hop, on va toucher la marque, ma soupe qui fournit avec, et la mousse de finition. Voilà, ça dessus, et du coup on va mettre ça. Tamponner partout, voilà. Que j'ai commencé. Et là déjà on voit une différence par rapport à avant. Alors je vais vous remettre justement une photo de avant. Du coup, je vais repasser encore une fois avec le produit. Alors, certains disent qu'avec du dentifrice, ça marche aussi. J'ai jamais essayé.
Bon bah voilà le résultat, c'est plutôt pas mal. Donc pour 30 euros et on est à 13 minutes 40 de vidéo, donc peut-être un peu moins dans le montage. Mais voilà, et donc l'autre côté qui est pas fait, et donc on voit déjà une belle différence. Il restera un petit peu de produit sur la mousse. Et donc du coup,
pour voir ce que ça donne. Est-ce que le dentifrice sera meilleur que le produit? Pas tout mal, on va attendre que ça sèche un peu. Et ben, ça paraît pas tout mal. Avant droit et le feu avant gauche. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à reprendre rendez-vous pour la contre-visite et voir ce que ça va donner, mais pour moi c'est déjà nettement mieux. Donc voilà le feu avec le dentifrice et le feu avec le produit, aucune différence. Donc si vous avez juste un peu de courage, du papier à poncer, donc vous prenez du 800 et de l'eau, vous poncez entièrement votre feu, il va être complètement terne. Ensuite vous reponcez au 2000 à l'eau et ensuite avec un coton ou un lustreur ou du dentifrice, et ben vous repolissez vos feux et ils le redeviennent comme neuf. Voilà, donc vous pouvez surtout partager cette vidéo, la liker, surtout la partager sur les réseaux sociaux, ça aide vachement sur Facebook, tout ça. Je le vois quand c'est partagé, j'ai pas mal de retours et je le vois dans mes statistiques que la vidéo est partagée sur les réseaux sociaux et ça me fait vraiment, ça me met une belle mise en avant et je vous en remercie beaucoup. Allez, à bientôt.